D'abord, ça a été... J'étais pas faite pour ça, parce que je ne savais même pas travailler l'argile. Mais c'est quelqu'un qui a trouvé sur un journal comme quoi il y avait un club qui s'était ouvert sur Argelès-sur-Mer, un club de peinture, mais pas de sculpture, peinture-dessin. Et donc, j'y suis allée. Mais moi, j'avais un bout de pain de terre. Et donc, je me suis présentée en demandant s'il y avait des cours de modelage. Alors, on m'a dit non. Et elle m'a dit, ben, mettez-vous quand même au fond avec votre pain d'argile. Et comme c'était un cours sur la main, elle m'a dit, essayez de faire une main. À ce moment-là, je me suis surprise. Je me suis dit, tiens, bizarre, t'arrives à faire ça. Après, j'ai gardé encore un morceau de terre et à la maison, j'ai essayé de faire autre chose. Mais c'était compliqué parce que une fois la main faite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai commencé à faire des fruits, des pommes, des ananas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Et je veux faire passer de l'émotion. C'est dans son atelier en plein centre d'Ajaccio que Nadine Astruc réalise et expose ses œuvres. L'artiste sculpte, forge, soude, alliant l'argile, le cristal, le zinc, l'inox, mais aussi le bois ou le marbre, pour donner forme à l'expression de sa vision de l'être humain dans toute sa complexité. J'ai eu la chance de vivre dans la région parisienne. Je suis née là-bas. Et à partir de la sixième, on allait tous les jeudis ou les vendredis ou les mardis, on allait soit au musée, soit on allait voir une pièce de théâtre. Ce qui fait que très jeune, j'ai été quand même assez sollicitée pour justement visiter les musées et donc se retrouver face à des sculptures. Et ça m'a, je crois que inconsciemment, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Parce que j'étais quand même très fascinée. De toute façon, j'aurais pas voulu avoir un cursus aux Beaux-Arts, hein. Ça c'était pas mon truc. Parce que déjà, je trouve qu'on formate trop les jeunes artistes. Et après, je sais pas, au niveau du travail, c'est toujours un peu la même chose. Par contre, on leur apprend le discours qui va avec. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Ils savent parler de leur travail. Moi, c'est pas vraiment mon truc, parce que s'il y a des gens qui entrent dans l'atelier, je ne vais pas être capable de leur expliquer. Nadine Astruc a grandi dans la région parisienne. Issue d'un milieu modeste, c'est par le biais de l'école qu'elle découvrira le monde de l'art. Cette première approche de la littérature, puis du théâtre et du cinéma, vont la marquer durablement. Mais c'est à 32 ans, après un épisode compliqué de sa vie, qu'elle rencontre la sculpture. Une véritable révélation qu'elle va explorer en autodidacte, de façon presque obsessionnelle, apprenant à maîtriser les techniques et dompter les matières qui lui permettent de s'exprimer aujourd'hui en toute liberté. Alors là, je fais... un corps d'athlète, on va dire, d'athlète, plutôt de gymnaste. Je le travaille à plat pour pouvoir l'insérer dans un cadre métal. Avec, comme je mets du métal dans le corps de cette sculpture, ça me permettra de souder sur les bords du cadre métallique. Et le fait qu'il soit plat derrière, ça permettra justement d'accrocher cette sculpture avec quand même une partie qui sera à l'extérieur. Et ça permettra d'avoir un tableau et la sculpture. Pas passer une journée sans aller à l'atelier. Surtout quand j'ai des pièces en cours, je suis tellement impatiente de voir quelle tournure ça va prendre qu'il faut absolument que je descende. Parce que là, les formats que je fais, ça peut aller sur un buffet. Voilà, je suis toujours en train de me dire où est-ce que les gens vont pouvoir poser cette sculpture. Et en règle générale, les gens posent sur un guéridon ou sur un buffet. Et après, voilà, c'est dans l'atelier et après, les gens... se font une idée ou pas de ma personne et de mon travail. C'est aussi simple que ça.